pris un vol. T'as pris un vol low cost? Un quoi? Un vol low cost. Nous sommes ici pour la succession de votre mère, décédée en son domicile le 29 août 2011 à Paris, France. Il y a au moins 40 cm de trou. On dirait une petite sardine. Je n'ai pas du tout envie de pleurer. Non, je ne suis pas médecin, mais je sais ce que je fais, c'est commencer la cérémonie. Non! Pour vous, pas de viande. Pour les endeuillés, c'est les œufs durs. Je suis super sec. Et ça lui fait quel âge maintenant à ton fils? Il vient d'avoir 20 ans. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il part faire ses études à New York. Surtout aucune souffrance, Ellie! Entre le départ d'Ellie et maman, ça fait beaucoup. Bah, ça fait beaucoup pour tout le monde. Profitez de cette remise spéciale deuil. Excusez-moi, est-ce que c'est vous qui venez de perdre votre maman? Ma mère habitait 13 rues Mandin. Vous allez le vendre? Sûrement. Faut tout démolir, tout désosser. Ouais, sauf qu'heureusement, il est très attaché. Hein. J'hésite entre queue de lièvre. On pourrait refaire le plancher aussi. Et Egyptian Grey. Je n'en peux plus de tes travaux. On touche à rien, on le laisse comme il est, c'est la mémoire. Ah bon, allez, on va la dire, hein, la prière. Allez, je vais t'en coller une. Tu m'as mis. Dis-le que tu vas mal. Non, tu l'as pas mise, la ceinture, là. T'as pensé qu'à toi. Mais c'est dégueulasse ce que tu dis. On est comme des cons, maintenant. Tout seul, papa, maman, plus là. Excusez-moi, c'est pas contre vous, mais je vais pas raconter ma vie à un inconnu. Tu viens de faire une coloscopie. Et alors? Tu as montré ton trou du cul. Pourtant, c'est très intime et tu le connaissais pas.